Sergio Busquets. Piqué. Xavi. Quel timing dans l'interception. Une très longue passe. Il glisse le ballon en profondeur. Va-t-il en profiter? C'est dans la surface. Oui, oui, c'est pénalty. Quelle pression sur le gardien. S'il est battu, son équipe ne pourra peut-être jamais revenir à cette rencontre. Oh, le sang-froid. Il aggrave la marque sur ce pénalty. Oh, le calme. C'est impressionnant. Magnifique contre-pied. C'est parfait. C'est bon. Il maîtrise complètement le match maintenant. De réussite sur cette balle en profondeur. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué. Il tente de la jouer dans l'espace. À la barre, bien servi sur le côté. Le ballon s'en touche. À la barre. Et regardez qui est là pour défendre. Voyons ce que va donner ce corner. La tête, attention! Heureusement qu'il était là. Son gardien était battu. Dans le dos de la défense. Il voit sa passe interceptée. Oui, il faut dire que ça manquait de précision aussi. Pour trouver la faille dans la défense. Dans le dos de la défense. Müller. Ribéry. Oh, c'est bien fait ça. Ils n'ont pas encore fait un seul changement. C'est important. Robben. À la régulière, il est battu. Joli tacle. La passe est précise. L'accélération. Quel but! Il est presque chambreur dans sa finition. C'est super bien joué ça. Il savait exactement ce que le gardien allait faire. Et c'est reparti. On dirait bien qu'ils n'ont pas du tout abdiqué. L'âme. Xavi. Mario Götze. Il glisse le ballon en profondeur. Ribéry, il a de l'espace. Pas bien tiré ce corner, occasion manquée. Il va falloir être précis. Oh, la main ferme! Il glisse le ballon en profondeur. Bon ballon dans la surface de réparation. Et toujours du déchet dans le dernier geste. Oh là 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 là, c'est pas possible! Le plus dur a été fait, il s'était mis en position de tir et il manque son dernier geste. C'est incroyable! Il joue dans l'espace. Il concède un coup franc. Et geste mal maîtrisé. Logique cette sanction. Carton jaune. Un bon centre dans la surface. Bah, il faut s'appliquer sur ces centres.
Mario Götze. Ribéry. À la bas. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Iniesta. Il tente de la jouer dans l'espace. Oh, la grosse occasion! Il tire! Maintenant! Et il marque! Ils reviennent maintenant à deux buts de leurs adversaires. Et voilà le risque quand on perd le ballon au milieu de terrain. Une mauvaise passe et quelques secondes plus tard, on s'en prend. C'est reparti et il n'y a plus que deux buts d'écart désormais. Il joue dans l'espace pour trouver la faille dans la défense. À côté. Quand on se retrouve tout seul face au gardien, on doit faire mieux que ça. C'est très mal joué de sa part. Il glisse le ballon en profondeur. Il peut repiquer dans l'axe. Il peut conclure. Une très grande ouverture. Allez, il reste 5 petites minutes maintenant. Le voilà servi. Énorme occasion. Il n'est pas hors jeu. Il peut y aller. Et c'est un corner. Xavi, il va s'occuper de ce corner. Il la repousse. Dans le dos de la défense. Il est servi. Il peut en profiter. Xavi. Sergio Busquets. Bon jaillissement, il fallait intervenir. C'est une faute, l'arbitre intervient. Quoi ? Carton rouge là-dessus ? C'est incroyable et l'entraîneur n'en croit pas ses yeux. Et le joueur ne comprend pas non plus la décision de l'arbitre. C'est fini, la fin du match. Victoire, c'est donc la victoire finale pour cette équipe et franchement elle est méritée parce que techniquement, physiquement, mentalement, ils étaient vraiment au-dessus des autres. Il y a eu tout dans ce match, des occasions, des duels, on s'est régalé. J'aimerais pouvoir commencer.
Et nous retrouvons donc le FC Barcelone contre le Real Madrid. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tullet qui va nous aider à décrypter cette rencontre. Et le plaisir est pour moi, Grégoire. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un plaisir d'être ici. Si vous voulez savoir ce que match de l'année veut dire, venez faire un tour à Barcelone ou à Madrid un jour de match. La rivalité a toujours été très forte entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Les rencontres entre ces deux grands Espagnols ont toujours été les plus attendues de l'année. Neymar, le bon centre. Le but pour Barcelone. C'est tout simplement incroyable. Magic.